derrière le tigre, le lion, le jaguar. Oui, le jaguar est le plus gros félin du continent américain, surpassant le puma d'une courte tête. Courte et robuste, la tête. Et surtout dotée de la mâchoire la plus puissante au monde. La morsure du jaguar est sans pareil chez les félins. Et même une tortue n'y risquerait pas sa carapace. Carnivore comme tous les félins, il ne dénigre pas non plus les grenouilles. Non, une petite grenouille de temps en temps, ou un petit poisson de temps en temps. Excellent nageur, il aime rester à proximité de l'eau. Félin tacheté, le jaguar a des airs de ressemblance avec le léopard. Leur pelage s'orne de rosettes. Les selles du jaguar sont moins nombreuses, plus grandes et sombres, et parsemées de petites taches en leur milieu. Elles l'aident à se camoufler dans la lumière mouchetée des forêts tropicales et des prairies marécageuses d'Amérique centrale et du Sud, son habitat de prédilection. On a également dénombré la présence très limitée de jaguars dans le sud-ouest des États-Unis, pays où il est une espèce protégée depuis 1973. Il est tout à fait capable de rugir, comme le lion ou le léopard, le jaguar. Oui, oui, il peut émettre des miaulements, des grondements, des grognements aussi. Reste que la vocalisation qui le caractérise le plus s'apparente à une sorte de toux répétitive mal soignée. Et lorsqu'il rencontre un autre jaguar, il est également adepte du prusten. Vous voulez savoir ce qu'est le prusten ? Un ouf nasal qui ressemble à un reniflement et qui exprime la sympathie. Ah non, non, ne comptez pas sur moi pour vous en faire une démonstration, hors de question. Bon. Bon, non, c'est pas ça. Le jaguar a marqué de son empreinte la culture de la religion du continent américain. Il était un symbole de force et de puissance pour les civilisations précolombiennes et fut considéré comme le protecteur de la famille royale dans la civilisation maya. Aujourd'hui, il est menacé par les braconniers et les éleveurs qui n'hésitent pas à le tuer pour protéger leurs troupeaux. S'il reste au moins 10 000 jaguars à l'état sauvage, l'animal est considéré comme une espèce menacée. Il joue pourtant un rôle important dans la stabilisation des écosystèmes et la régulation des populations qu'il chasse. Alors soyons vigilants si l'on ne veut pas que nos enfants pense que les jaguars sont des animaux à quatre roues.